Thank you.
Bonjour, bonjour. Bonjour, Odette. Les deux Odette, bonjour. Lumière, bonjour. J'ai les manguiers dans ma cour. Donc les manguiers là sont infestés par les nids d'oiseaux. La cour n'est jamais propre. Voilà, c'est sale jusqu'à. Tu balais le matin à 12h, c'est sale. Fabiola, bonjour. Justine, je me suis ouvert depuis. Comment tu me dis bon ouvert là? On se marie quand? Tu te maries seul? Ou il y a deux personnes dans ton corps? Merci Nadine. Karine, bonjour. Louange, bonjour. On n'est pas encore parti à l'église. Coco, tu n'es pas parti à l'église. Merci Adeline, j'arrive, rendez-moi. Toi, t'es pas le miel, le miel, j'arrive.
Viens alors. Viens. Viens, Lorraine. Oh, malheureusement. Viens. Viens. Dis bonjour. Ne me lèche pas. Fabiola, bonjour. Dis bonjour à Reine. Elle s'appelle Reine. Non, Reine qui aime lécher les gens. Reine qui aime lécher les gens. Quand on voit les fourmis manières dans ta chambre et ta douche, ça veut dire quoi? Et c'est pas mamie. Faut mettre plus de propreté dans ta chambre. Tu as fui Reine, tu as laissé Reine à Douala, Coco. Tu la salues pourquoi? Reine est paresseuse, elle n'aime pas se casser le corps. Un vaillant caniche. Les caniches savent seulement dormir. Même faire l'amour, elle n'aime pas faire l'amour. Elle ne veut pas accoucher. Il faut qu'elle garde son ventre plat. Il dit à mes employés qu'elle ne veut pas que ma chaîne me bat. Elle doit garder son ventre plat. Monsieur le Tordjo Marcelin, bonjour. Le jour où je vais te voir, Marcelin. Monsieur. Monsieur Kandem, bonjour. Que Yako, on ne dit que quelqu'un ne va pas accoucher. Tu dis que Yako, Yako de quoi? Porter les enfants dans le ventre, pousser, têter. Après, on les prend pour aller les vendre. Hein? Quand vous faites les chaînes, mettre bas, c'est pour vendre les enfants, non? Pour me parler, il faut laisser. C'est même dans 3 ans qu'elle peut aller croiser, on la croise. Il faut la laisser comme ça. Sometimes you have to fall many times and repeat the same mistake in order to know exactly what you want or what you don't want. Mistakes are not always negative. Mistakes sometimes is just the fruits of you giving up and not trying again. Because your blessing sometimes will come in the same form of the mistake, but this time you will push a bit further than before. Quand elle sera enceinte, tu ne vas rien comprendre. Bah, donc, faut laisser. Visite de vétérinaire. Il faut s'inquiéter. Non, 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 je ne sais pas si ça. Je ne sais pas si ça. Bon, j'ai des petites nouvelles que je dois vous donner. On va voir si ça sort. Ok. Il y a quelqu'un ici, c'est le moment pour toi de bouger. On t'a parlé depuis, mais là tu sais que c'est le moment. L'environnement dans lequel tu étais
a tellement réduit ta vision. Et là, on me dit que tu es déjà plus grosse que toi. C'est un peu comme un enfant de 5 ans qui porte l'habit de l'enfant de 6 mois. You've outgrown your environment. You need to get out of it. You have been too long in that same environment. You have outgrown everything that is in your house, in your city, in your country. Some of you guys, you need to move from the state you are to another country, to another continent. But you keep staying where you are because it's familiar, because you don't want rejection, because you don't want to fail. You need to get out of that place. You have outgrown your friends. You have outgrown your husband. I'm so sure about it. You've outgrown your husband. Friends, your friends, they don't deserve you anymore. J'ai envie de faire le direct en anglais. Vous savez que j'ai ma page en anglais, non? Ça s'appelle Reine Lumière English. Là, c'est mieux, ça va maintenant. Is it better? Beaucoup d'entre vous, vous avez dépassé votre environnement. Je ne sais pas ce que tu fais encore dans la ville là. Vous savez, je suis quitté de l'Angleterre. J'ai fait 9 ans en Angleterre. Je suis parti vivre en France. J'ai fait un mois à Paris. Paris était saturé. Je n'aimais pas trop. J'aime la vie de campagne. J'aime tout ça. Donc, je suis allé en Reims parce que c'était un peu plus calme. Au bout d'un mois à Reims, moi, je savais que Reims, c'était pas pour moi. Je le savais. Mine de rien, l'environnement t'inspire. Tu es là, tu as 35 ans. Tu vis encore dans une chambre chez ta soeur. Parce que tu penses que c'est la norme. Il faut que tu sortes, tu pars dans une ville, tu vois une fille de 22 ans. Elle a son appartement, elle a sa voiture et c'est elle qui paye, s'il te plaît. Là où tu vas commencer à te dire que... Pour la merci, je dois changer d'environnement. Parfois, quand tu dis ton projet à quelqu'un qui est à côté de toi, je vais acheter la voiture. Ah, pourquoi tu veux une grosse voiture? Prends ceci, non, ce sera moins cher. Fais ceci une fois, non. Voilà les mots que je n'aime pas. Une fois. Moins cher. Comme ça, on va économiser. Tu as besoin de sortir de là où tu es. Coco, tu me suis. Ne vous consolez pas avec le wow, wow, ton père est content, ta mère est content, et puis quoi? À ton âge, les filles, on est à construire la maison. C'est quoi ton excuse? Parce que dans ta ville, tu es là, tu as 2-3 clients. Tu as 2-3 clients qui te disent que non. Hein?
Qu'est-ce qu'on serait sans toi? Si tu pars, qu'est-ce qu'on serait? Te voilà. Quand il veut prendre une décision, dans mon entourage, une, deux, trois personnes sont contre. Je sais que je suis en train de vouloir prendre la bonne décision. Et vous, dites-moi. Oh non, tu vas trop dépenser. Tu aimes trop dépenser la mère. C'est que c'est la bonne décision. Comme ça, tu gardes une fois, non? Tu gardes un peu, non? Bonjour, ma chérie, maman, Sylviane. C'est quand tu arrives quelque part, tu vois comment les gens prennent. Quelqu'un fait son portail. J'étais au Tajidor l'autre jour, non? Vous avez vu entre, la différence entre l'entrée, entre le portail du monsieur et sa résidence. Il y a au moins 150 ou 200 mètres. Tu marches. Et quand tu marches, il y a tout le décor. Il y a les décos, il y a les ceci, il y a les cela. Vous pensez qu'il n'avait rien à faire avec son argent? Hein? Allez dans les endroits où c'est normal de s'étendre. De la même façon que tu t'es habitué, que j'ai dépensé 500 chaque jour pour ma moto. Quelqu'un d'autre dans un pays s'est habitué que je dépense 2500 pour mon transport. Une autre personne s'est habituée que je dépense 20 000 pour mon transport par jour. L'autre a dit, bon, chaque jour, mon transport, c'est 100 000. Il y a des gens qui louent la voiture chaque jour que Dieu a créé. 100 000 chaque jour. 10 jours, 1 million. 10 jours, 1 million. Donc par mois, il a 3 millions seulement pour la location de son véhicule. Vos oreilles m'écoutent. Vous m'écoutez bien. Monsieur, même si c'est pas la force, il va te sortir de là où tu es. Même si c'est pas la force, pas de bonjour. Si les revenus sont abondants. Par abondant, tu veux dire quoi, Rosanne? Tes revenus doivent être toujours en train d'augmenter. Tu dois être toujours en train de lancer un nouveau projet. Tu me suis? Quand tu es en statu quo depuis déjà 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est dangereux. Tu sais, j'ai mon petit revenu, j'ai mes 30 000 par jour. Oui, parfois, quand je dépasse trop, c'est 50 000. Il y a les gens qui se font 500 000 par jour. Et tu peux. C'est juste que tu n'as jamais laissé ton esprit te dire, qu'est-ce que je peux faire qui peut me donner 500 000 par jour? Si on ne te pousse pas jusqu'à ce que ça devient inconfortable, ça ne peut pas t'aller.
Rosanne, laisse ça en hanche gauche. Quand tu as posé ta première question, j'ai vu de venir de loin. Ma hanche gauche, c'est ça ton excuse. Comme les gens qui ont mal à la hanche là sont pauvres. Je te bloquais. On subit l'inflation. Peu importe le pays où tu es, chaque année les choses augmentent. Le prix. Si depuis 5 ans ton argent est le même, tes rentrées financières sont pareilles. C'est dangereux. Rosanne, ris, ne te dérange pas, je vais te bloquer. Tu me connais pas, je vais te bloquer. Je vais te bloquer en rien. Vous me connaissez même. Donnez-moi un pays. En Angleterre, quand j'étais là-bas, chaque année, ils annonçaient qu'ils augmentaient le minimum wage, peut-être de 20 pence. Le salaire minimum de l'heure, à l'époque, c'était 5,25 £. Ça fait 14 ans quand je suis arrivé là-bas. 5,25 £, après c'est monté, après c'est monté. Je crois qu'actuellement, ça doit être à 8 £. Ça n'est pas les années. Chaque année, ils augmentent l'argent du bus. Ils augmentent tout, le train. Ils augmentent aussi le salaire minimum. Tenez, cherchez le minimum wage en Angleterre, je vais vous dire. Ok. £11,40. 21 ans et plus. 18 ans à 20 ans. £8,60. En dessous de 18 ans. £6,40. Vous savez quand même qu'en Angleterre, à partir de 14-15 ans, tu peux travailler. On te prend comme apprenti. Quand tu as 18 ans, on te met. Je crois qu'à 16 ans, tu passes encore notre statut. Et à 18 ans, on te change de statut. À 21 ans, ça augmente encore. Parce qu'il y a des Anglais qui n'ont pas fréquenté. Enfin, il y en a beaucoup qui fuient l'école. Et ils vont travailler tôt. Voilà, regardez la question d'une femme. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des entrées de 500 000 par jour? Je suis fauché. Les deux questions-là ne vont pas ensemble. Tu es d'abord fauché, donc tu n'as rien. Si tu n'as rien, ça veut dire que tu es paresseuse. Je te dis cash. Qui que ce soit qui n'a pas l'argent est paresseux. Si c'est ton gars qui n'a pas l'argent, il est paresseux. Si c'est toi-même qui n'a pas l'argent, tu es paresseuse. Maintenant qu'on a établi, si tu demandes l'argent de baigner ce matin à quelqu'un, tu es paresseux. Quand tu es fauché, ton problème, ça ne doit pas être de te dire comment avoir 500 000. Comment avoir au moins 5 000 par jour. Prenez les choses étape par étape. Ça, c'est la bêtise. Il n'y a aucun business que tu puisses établir qui va te rapporter 500 000 par jour, qui ne demande pas un investissement initial. Même dans la société, on va te demander quelque chose. Si on va te donner 500 000 par jour. Je vois que tes pensées sont très limitées. Tu es sûrement une personne où tu restes à la maison. Tu vas faire peut-être comme Rosine que wow, j'ai mal à ma hanche. Que wow, j'ai les enfants. Que wow, mon gars m'a abandonné. Muchas gracias por tus consejos en estos días me levantan la moral. Gracias. Je voulais dire gracias. 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 S'il y a les traducteurs, traduisez. J'avais fui l'espagnol à l'école.
J'ai fui ça jusqu'à. Quand tu n'as pas d'argent, commence d'abord par créer une source de revenus qui te demandera un investissement minimum. C'est de là que tu grandis. Parce que même si on te porte 15 millions, on te donne, tu vas bousiller ça. Parce que ton jugement est erroné actuellement. Tu ne réfléchis pas, chérie. Tu n'es pas éveillé. Merci pour tes conseils, ça me remonte le moral. Ok, Réunion, merci. If you the want la consulta, you the want to talk in espagnol, hein? Me no de speak espagnol. J'ai touché un peu l'allemand quand j'étais à l'école. Je suis allé en Italie, j'ai fait quelques semaines là-bas. Et ça fait au moins 6 ans que je suis allé en Italie. Perdona mia. Grazie. Grazie mille. J'aime beaucoup l'accent des Espagnols. Elle dit qu'on investit dans quoi? Qu'est-ce que je vous enseigne souvent ici? Est-ce que quelqu'un qui suit souvent mes leçons peut me dire comment, peut conseiller quelqu'un qui n'a rien comme argent? Matt, ta question c'est quoi? Écris, les téléphones sont devant moi. Peut-être que tu as un autre client qui veut rembourser. Parce que moi, je vous connais. Ça fait une semaine que votre assistant ne me dit rien de bon. Rien de bon, vous avez dit quoi? Tu viens en Italie, hein? Bene, bene. Elle dit qu'elle ne parle pas français, mais l'écrit est con. Elle parle français, ok. Si elle parle français, ça va. Ça veut dire que... Mais je fais la lecture des gens, je ne consulte pas pour le moment. Conseillez la personne là, s'il vous plaît. Conseiller alors quelqu'un qui n'a pas de... Comment est-ce qu'on fait pour devenir riche, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est dimanche. Vous pensez que j'ai quelqu'un dans mon bureau qui travaille dimanche? Hein? Là, je suis dans mon local à Makepe. Vous pensez que j'ai quelqu'un ici? Voilà tous les téléphones devant moi. Depuis hier, 18h, mes secrétaires sont rentrés chez elles. Parce que souvent, vous faites comme si c'est ma soeur qui travaille ici. Vous ne savez pas que j'emploie des gens qui ont leur vie de famille. J'emploie des gens qui ont leur vie. Elles ont des gars. Il y en a parmi mes employés, elles ont 2 enfants. Donc à 17h, il faut que le gars commence à dire que B, tu vas préparer quoi tout à l'heure. Ok, Joachim. Bon, je lis les conseils qu'on donne à cette jeune dame. Pour devenir riche, il ne faut pas seulement travailler. Sinon, tous les pousseurs seraient riches. Tu dois travailler avec une stratégie. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Je veux voir les gens qui se rappellent de ce que j'ai dit. Tu as une fille qui vit à Douala. Elle a 10 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Prie de bonjour.
se laver au sel, rembourser ses dettes s'il y en a, diminuer ses dépenses, lancer un business. Ça, tu commences à venir. Souvent, vous m'écoutez ici. Là, quand vous me voyez, oui, je suis ton abonné. Je te suis depuis. Parce que vous m'écoutez. Vous pouvez répéter ce que je dis, mais vous n'avez rien mis en pratique. C'est pour ça que depuis un an et demi que tu me suis, tu es toujours bloqué. Coco, tu viens maintenant m'intimider avec l'espagnol. Hein? Paraconsulta. Biographia. Bonjour ma reine. Qu'elle aille d'abord travailler pour avoir un fonds de commerce seulement de 50 000. Commencez un peu avec 5 000 de bénéfices. Elle verra la suite. Germaine, commencez comment? Coach, bonjour. En fait, vous êtes tous ces papiers. Ça veut dire que quand j'enseigne ici chaque jour, là, je perds mon temps. Je vais bloquer certains d'entre vous. Tu veux t'abonner, tu n'arrives pas. Donc Facebook empêche les gens de s'abonner sur ma page. Marthe, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas à qui. Je t'ai dit écrit sur le numéro. Et tu me dis qu'on ne te dit rien de bon. Il te dit écrit sur le numéro. Parce que même si je veux t'aider ici là. Généralement, vous avez les noms différents. Regardez, la base chez les gens qui n'ont pas l'argent, ils ne veulent pas d'abord aller travailler. Tout le monde connaît balayer la cour. Tout le monde connaît laver le sol. Peu importe le pays où tu te trouves, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un pour laver son sol. C'est pour ça qu'elle vous enseigne dessus, vous insulte même. Tu vas la voir avec le téléphone qui a trois yeux. Oui, trois yeux. Trois yeux comme ça ou trois yeux comme ça. On me voit nettoyer le sol. Non. Parce que tu ne peux pas chopper ton orgueil. Tu ne peux rien lancer comme business si tu n'as pas l'argent. Même s'il faut que tu frappes à pied pour partir nettoyer le sol. Après une semaine, tu dis à ton boss que, gars, boss, je frappe seulement depuis là. Je marche à pied pour venir. Pour la semaine suivante, là, payer moi-même l'argent que j'ai travaillé il y a une semaine pour que je perde le transport. Vous attendez toujours que quelqu'un vienne vous donner même 10 000 pour commencer, 50 000, 5 millions. Personne ne vous doit rien. Tu comprends? Vous êtes bête. Même ton gars ne te doit rien. Ton pineur là, il ne te doit rien. On a une stratégie, vous refusez. Tu commences avec le travail le plus facile à trouver.
même si tu étais directrice d'une banque. J'ai dans un pays où j'ai une dame que j'emploie. C'était l'assistante personnelle du président d'un parti politique. Elle me dit qu'elle arrive, quand elle vient demander le boulot, elle me dit il y a 4-5 mois, j'étais là avec 700 000 de moi. Je suis resté à la maison 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois. Je me suis dit que c'est quoi? Parce que le président du parti politique, on l'a arrêté. De toute façon, on l'a arrêté, c'est là, on l'a déchu de ses fonctions, je ne connais pas. Elle, là, voilà qu'elle est descendue. Et un jour, j'avais besoin, la première semaine qu'elle commence, j'avais besoin de quelqu'un qui devait nettoyer une de mes maisons. Elle me dit, tu sais quoi? Je vais partir nettoyer. Elle est partie, elle a pris le seau, la serpillière. Elle dit que l'agent, ça va me donner une semaine de taxi. Vous êtes trop orgueilleux. Voilà aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour manger, non. Donc voilà aujourd'hui, là. Beaucoup d'entre vous. Assure-toi que tu as déjà l'argent de taxi, l'argent pour manger. Si tu as les enfants à ta charge, il y a quelque chose que les enfants vont manger tous les jours déjà. Minimum. Et si tu n'as pas de boulot, c'est mauvais. Si chaque jour, tu ne fais pas quelque chose qui va faire entrer de l'argent, c'est mauvais. Vous avez des grands rêves, des grandes ambitions. Tu n'as rien que tu as économisé. Chaque jour, là, tu n'as pas un argent que tu peux dire que j'ai travaillé aujourd'hui. Si tu ne travailles pas, tu ne récolteras rien. Je ne sais pas dans quel rêve vous êtes. Je ne sais pas si vous avez seulement mis sur la lune. Vous pensez que Jésus a créé une race de personnes qui ne doit pas travailler. Vous rêvez trop. Même si tu as mal aux pieds, tes mains marchent, non? Tes mains marchent, non? Fallon, bonjour. Mon contact est dans la bio. Fabrique quelque chose de tes mains. Si chaque jour qui passe, tu ne t'assures pas que tu es en train de pointer quelque chose, de faire quelque chose qui va te donner de l'argent aujourd'hui ou demain, tu es en train de tourner à perte. Ça veut dire que celui qui s'occupe de toi, tu es une sangsue. Oui. Tu es un parasite. Je vous ai dit toujours, la première leçon d'entrepreneuriat que j'ai reçue quand je suis arrivé au Cameroun. Tu travailles plus que lui. Et Dieu veut qu'il prie pour toi. M'en fous qu'il là-bas. C'est la prière qui va t'enlever à côté de lui. Pour tes choses, tu quittes. C'est quoi cette bêtise-là? Vous êtes dans vos églises, vos pasteurs vous endorment. On ne prie pas pour que quelqu'un change. Si quelqu'un veut changer, il va changer. S'il ne veut pas changer, tu vas perdre ton temps.
On est des parasites, vous ne savez même pas. Quand quelqu'un vient me voir, il cherche le boulot. Et il me dit qu'il me suit en ligne. Il y a de faibles chances que je l'embauche. Mes followers aiment l'arrogance. Je parle, vous êtes ici la rosa, vous faites semblant. Vous êtes orgueilleux. Ah, moi, je peux pas. Tu veux que je balaye la cour? Je balaye. Je balaye. Ne balaye pas. Beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez ici, là, vous voulez que je vous mette une fois dans le bureau pour consulter avec moi. Quand tu viens dans mon entreprise, si on a besoin de quelqu'un pour nettoyer le sol, tu peux nettoyer. On a besoin de quelqu'un pour faire les messages, tu vas faire les messages. Il faut quelqu'un en salle de position pour emballer le sel, tu peux emballer le sel. Tu ne veux pas, tu laisses. Voilà. Retardement. Je crois que moi, il ne perd pas. Il perd quoi? Il perd quoi? Et vous dites que tout ce que vous faites dans mon entreprise aujourd'hui, il y a cela 2 ans et demi, c'est moi qui faisais seul. Tu as vu aujourd'hui, tu veux me montrer que tu es qui? Il n'aime pas le mot Asia. Il n'aime pas. Je ne me dis pas Asia, pardon.
Mais dites-vous que chacun récolte ce qu'il a semé. Toujours. Toujours. Si tu ne fais rien aujourd'hui, demain tu seras toujours pauvre. Simplement.